Messieurs, dames, bonsoir. La famille, bonsoir. Jodi là, nous allons parler de l'autotest à VIH-SIDA. C'est un test que vous pouvez faire vous-même à casa, c'est-à-dire en salle de bain, en chambre, en cuisine, en séjour, parmi plusieurs points d'autres liés pour vous faire. Test là, ça, c'est que vous pouvez acheter soit en pharmacie, soit vous pouvez passer à une association pour union pour vous-même. Alors, nous allons présenter tout d'abord test là, nous allons bien voir là. Là, il marqué autotest à VIH, virus à SIDA, là, le VIH. Alors, nous allons commencer par ouvrir brette là, regardez bien, c'est un rien, nous allons ouvrir devant les autres. Ok? Nous allons ouvrir. Nous allons faire un inventaire à tout ça qui y a dedans. Ok? Alors, nous allons descendre légèrement, nous allons basculer, nous allons traiter tout ça qui y a dedans. Nous avons trouvé, en premier temps, une petite pochette blanc. Ok? Nous avons posé. Deuxième bit que nous avons trouvé, c'est ce soc là. Nous avons trouvé une compresse stérile et une petite lingette désinfectante. Là, nous faisons tout ça. Nous avons posé ce soc là en une surface plane, bien stable. Il ne faut pas être la branlante. Côté abondant, puis pas modifier, testons-nous. Nous avons posé, au fur et à mesure qu'on a déposé, ouvrez. Après, nous avons pris un petit pochette blanc là. Nous avons pris un petit pochette blanc là, VIH et CE là en l'air. Nous avons pris, ok? Nous avons déchiré, pas par exemple un ciseau, pas par exemple un couteau, il y a juste un petit entaille, ou qu'on a tiré un petit entaille là, nous avons tiré, et nous avons ouvert. Ok? Léo Nouveille, nous avons trouvé à dedans tout ce qu'il faut. Nous avons trouvé pipette à prélèvement là, nous avons partie inférieure, qui est vers le bas, et un côté supérieur qui est en haut. Regardez bien, petit bout là, en bas là, c'est pour en bas. Et en haut, il est transparent là, enfin, pas vraiment transparent, c'est blanc là, c'est test là, chimique là. Alors, songez des autres que tout à l'heure, il faut nous tirer, qu'à déposer. À dans tout ça, nous ni un autopiqueur et aiguille autotest là, ok? Autopiqueur là, c'est ça, ok? Nous ni ça, nous va créer ça en créole, en albiplace, en pansement albiplace, ok? Nous va mettre à côté, nous va laver main en nous, ok? Pour y propre, faut bien nous propre, surtout nous ca savonner, nous ca laver et nous ca suyer. Accessiblement nous. Après, nous ca prend pipette de prélèvement là. Nous ca roter. Quand nous roter, nous ca venir placer en dedans réact à dedans soc là. Nous ca mettre petit doigt en nous, puis bien entrer bien au fond. Puis pas bouger, vous voyez, il pas bouger, il stable. Nous ca poser pipette en nous. Ok? Premier temps, prends une lingette là. Si j'ai mis en nous, il a lavé. Donc, ouvert une lingette là. Ok? Et nous, quand ouvert, on sort de une lingette alcoolisée. Ok? Nous, quand prendre, on les douettes là, nous faisons là. Nous, quand désinfecter. Songez que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Pas ramener microbes. Ok? Voilà. Et désinfecter, nous, quand poser en lingette là. Il désinfecté. Les désinfecter, nous avons 30 secondes, même pas. Nous avons pris l'autopiqueur là. Nous avons décapuchonné. Nous avons posé le capuchon là sans laisser le doigt dans nous là. Et quand nous avons pris, nous avons pris un petit peu de rose là. C'est ça. Nous avons posé en les coins à droite en nous. Et nous avons appuyé en seul coup. Franchement, quand il fait clic, éventuellement, ça veut dire que il pique, nous pique. Alors, quand on fait le clic là, là, on fait le clic là, donc là, il pique. On va poser et nous allons nous piger mais en nous. Nous allons piger, nous allons là. Quand nous avons premier goutte de sang, nous allons ouvrir la compresse là. Ok, nous allons tirer la compresse là. Nous allons suyer.
OK? Je veux dire, suyer d'un seul coup. Nous avons rouvin pigé, un deuxième coup, qui dit, on a un gros goutte d'œil sans gavine. À ce moment-là, nous avons gardé, nous avons pris pipette en nous, pipette là, nous avons posé doucement, sans trop forcer, juste pied fleuri d'entre nous, puis absorber goutte de sang là. Quand il absorbe goutte de sang là, OK? Avant nous suyer main en nous, nous cavine, nous ca enfoncer pipette là à dans soc là et actif là. Songez que quand nous casse, quand des fois nous donne trois déclics. Pour les déclics, tac, nous enfoncer. Deuxième déclic. Tac. Deuxième déclic et troisième là, il est bien enfoncé. Regardez, il n'a pas bougé. Il est stable. Entre temps, nous avons suivi main en nous. OK? Et nous avons pris ce paradra là. OK? Passement là. En cas ouveille. OK? Là. En cas tiré. En papier là. Voilà. En cas tiré. Là. OK? En cas ouvert, et en cas posé, en l'air, droit en moins, côté là, en sortie piqué là. OK? Voilà. C'est pour permettre vous. Voilà. Piqué là. Mimi. Ça dit, c'est pour protéger meilleur. En nous attend, nous capons, j'ai programmé, nous capons portable en nous. Nous capons 15 minutes à le portable là. 15 minutes. Quand 15 minutes passées, nous capons gardé, il peut réagir, qu'il y il peut monter, qu'il peut gravir l'échelle là, jusqu'à un certain niveau qui vient de rose. Quand vous voyez un trait, ça veut dire que vous n'avez pas de virus à sida là. Si il y a des traits rouges, pas bizarre paix. Actuellement, vous n'avez pas de bon de sida de nos jours. C'est bien de demander aux autres, c'est un vrai médecin à autres, ok? Dit voilà, au sorti, fait un test, et test ça sorti positif. À ce moment-là, il peut faire d'autres tests de confirmation. À un moment-là, ça, si jamais il sorti positif, il peut prendre en charge. Ça veut dire que médecin là, qui mette en place avec, on démarche thérapeutique, ça veut dire on démarche pour médicaments, afin qu'on peut prendre tous les jours pour maladie là, peut pas développer encore. L'heure finie, on peut emballer à l'emboîte là, on y est là, on peut déposer tout. Tout ça au servi avec, vous pouvez déposer dans la boîte là, ok, totalement, ok, tout ça, vous pouvez jeter tout ça dans la boîte là, vous pouvez fermer, totalement, et sous le scotch, ou dans le sachet, vous pouvez dans le sachet. Quand vous finissez avec, vous pouvez porter dans la pharmacie là ou acheter là, dit voilà, ou faire un test et il servit, ou vous pouvez jeter là. Ou ka mené à ka association là au point là à ce moment-là yo ki reprend meilleur yo ni de quoi pour récolter. Merci, à bientôt.